Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Cthulhu. On était dans cette église. Plus ou moins en sécurité en fait. Avec les hommes poissons qui m'attaquent. Et là, il y a un étage qui sert strictement à rien, merci beaucoup. Genre, ils essaient vraiment de rentrer là ou je pensais que... Je pensais que dans le journal, mon mec avait justement raconté que... Non, il disait... Ah, il y a un mec qui est mort. Mais baisse-toi, je veux juste la médecine. Ouais, il y a un bonhomme... Ah, il a le truc ouvert comme les autres. Je crois qu'à chaque fois que je regarde un truc comme ça, c'est genre je perds de la sanité mentale. There's a raised section of tiling in the baptismal pool. Bah oui. I can feel a strong draft of air coming from the drainage pipe. Ça fait quelque chose. The tile appears to be on runners. It won't budge. Ça ne bougera pas. The tile appears to be on runners. It won't budge. Oh là, ça sent l'énigme. Mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je vais peut-être faire tomber un truc dessus ou je sais pas quoi. The tile appears to be on runners. It won't budge. Ça ne bougera pas. Peut-être un truc quand même à faire avec les machins là-bas. Je pourrais l'ouvrir. Hein. Il ne pourra pas nous échapper. Nous allons mettre 3 quarts d'heure à taper à ta porte. C'est cool. I should let the bell finish ringing first. Oh, ça a bougé le truc! Le machin, il a bougé! Je sais pas pourquoi, mais... Je comprends pas. Pourquoi ça a bougé le machin? C'est genre, fallait faire une mélodie précise et j'ai eu de la moule ou fallait juste mettre les 3? Et ça peut pas se... Ça se referme derrière moi. C'est... Oh, c'est magnifique. C'est marqué quoi, là? Poussez-vous. Ah, c'est des écritures. It must have been down here that Rebecca's father figured out that mysterious sign. Mais il écrivait pas super cool, hein. Des squelettes partout. Très rassurant. Je crois dans un espèce de vieux donjon de Skyrim ou je sais pas quoi. Oui, c'est vous. It's a registry of births, deaths and marriages in Innsmouth. Très intéressant. Oh, ça sent l'énigme, ça encore. A small stone plaque engraved with a series of numbers. Vous devez mémoriser ces chiffres. Non, je crois pas. On va te faire voir. All these articles relate to the deaths of Oh non, pitié, encore un truc à coffre. Ah, ça s'ouvre au moins. It's the coffin of Tom. They all appear to be volumes on the history of Innsmouth. Mais je dois faire quoi? Bon, je vais continuer, mais il y a le coup du coffre là. En fait, il n'y a plus rien. Je sens que je dois ouvrir le coffre. Disc here, hollowed out with the carving of an upside down cross. The disc is raised a little from the rock. I can't move it by hand. Ah, attendez, il y a un truc là avec la carte postale aussi. Percé de 4 trous faits à la main. Oh, attendez, j'ai une idée de ouf. Si ça se trouve, je peux la coller sur les trucs de... Oh putain, le jeu, qu'est-ce qu'il a? Si ça se trouve, je peux coller la carte là-dessus. Mais le jeu, il a fini de ramer, là, ou quoi? Voilà, c'est bon. Et si ça se trouve, ça va... Je m'en doutais. Oh, punaise. Attendez, je vais noter ça. Oh, bah merci. Faut juste que je trouve une feuille de papier. Chose qui est faite. Ne vous inquiétez pas. Alors, 1 vers la gauche. 7... mais pourquoi il y a un trait, là? Oh, attendez. Déjà, c'est 1, 7, 5, 3. Mais comment qu'on sait c'est lequel le premier? Donc, à mon avis, ça va ouvrir le coffre. Mais encore faut-il comprendre comment taper la combinaison. Bonjour. Donc là, je sens que je vais en chier. Bon, on va déjà aller sur le 1. Faire le 7. Le 5.
Ça doit pas être ça. I must have got something wrong. Ouais, là ça pue quand même, hein. Et je comprends pas le système des flèches là. C'est genre faut que je commence par le 3 peut-être parce qu'il y a le truc, ensuite que je fasse le 1, ensuite le 5 et ensuite le 7 en entier parce que du coup ça fait une suite logique, vous voyez, avec les flèches. Enfin ça fait ouais genre ça fait genre 3, vous voyez, après on voit bien que ça reprend pour le 1, après ça fait le 5 et après le 7. Ça fait 3, 1, 5, 7. Attendez, on va sur le 0. Je vais sortir parce que on sait jamais. That's not right. Si ça ne va pas, ben je sais, merci. Donc 3. 1. 5. 7. I must have made a mistake. Putain, mais qui invente des trucs pareils, quoi? Putain, j'étais quasiment sûr. Mais pourquoi il y a des barres, là, genre le 7? Ah, ou alors c'est le nombre... Ah non, j'allais dire une connerie. C'est le nombre de tours qu'il faut faire. Et c'est pas le chiffre. 3. 1. 5. 7. Mais... Yes. Yes, that's it. Quand... I've cracked it. Putain, ça m'énerve, ça, quoi. C'est genre la flèche, elle tourne vers la droite. Alors moi, je suppose que c'est les chiffres qui se décalent vers la droite et donc je tourne vers la gauche. Et en fait, non, faut vraiment tourner vers la gauche. Bon, bah ça, c'est le truc qui rentre là-bas. C'est bon. J'ai compris. Pas de panique. Non, panique. Ah oui. Puis ce jeu où il faut utiliser l'inventaire. Ouais, passage secret. Quelle technologie! Enfin bon, ça marche pas très bien. Hein, mais... Passer tout de suite, voilà. Et génial! Devinez où est-ce que l'on est à nouveau. Dans les égouts! Et... Ah ça va, j'allais dire, mon mec il pouvait plus sauter dans l'eau. Oh pitié, ils ont mis des trucs exprès pour qu'on soit dans l'eau. Ouh, j'ai réussi à en ressortir. Punaise, c'est quoi ce bruit de ouf? Je peux pas sauter? Ah, je suis encore dans l'asile. Oh, c'est ouvert. Oh mon dieu, mais il y a quelqu'un. Mais qui c'est moi? Rapprochons-nous-en. Monsieur. En fait, j'arrive pas à m'approcher. Ça recule. Je suis sous l'effet de drogue. On n'entend plus la petite fille? Et je peux pas sauter, c'est terrifiant. Je peux pas sortir de l'eau. Ah mais non, j'étais accroupi, pardon, excusez-moi. Je me disais, on peut pas sauter, mais c'est pas normal. Tiens, là c'est fermé, on va bien regarder. On va gagner une trousse de soins. Je commence à aimer les trousses de soins, c'est le genre au début je me disais... Mais j'en aurais pas besoin, je... Ah bah non, je peux pas la ramasser, ok, merci, au revoir. J'apprécierais une petite sauvegarde aussi. Je marche dans l'eau, c'est très sain. Voilà, sortons. C'est mieux, non? Une sauvegarde! Ha ha! Ha! C'est quoi ça? Un cadavre. Bon, j'hésite à continuer. Parce que, voilà. C'est vrai que ça fait un peu court, surtout si je coupe la partie où j'ai eu du mal. Non, on va continuer. C'est vrai que j'en ai un peu bavé sur le... Il y aura probablement des transitions. Oh punaise, je suis encore dehors. Sors, mais c'est incroyable!
mal que le personnage a de sortir d'un... Hop. Punaise. Ils ne m'ont pas vu. Et je rentre dans un bâtiment en feu, ce qui est très rassurant. Ouais. Non, je sneak nulle part, moi. Oh punaise, je dois faire le tour. C'est à mon avis, je vais devoir monter là-dessus. Ah, mais c'est la banque! C'est la banque! Donc je vais devoir traverser la banque, c'est ce qu'il disait. Aïe! Oh punaise! J'ai eu ça quand? Bon, allez, soigne-toi un bon coup. Après, il y a quoi le. Attendez, je me soigne! Je me suis brûlé, bordel! Quoi? Je suis encore fait mal en tombant. Dispersez-vous. Oh, il y a une sauvegarde là! Ah, et cette fois, ça va arrêter notre épisode. Bah ouais, je suis désolé. Enregistrement de la partie. En plus, ça sent un peu genre la course-poursuite qui va durer je sais pas combien de temps là. Donc voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bah à plus!